Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la télé-réalité agricole saison 1. Alors dans cet épisode, nous allons voir le repiquage, n'est-ce pas? Donc le premier épisode, c'était la préparation du terrain, l'amendement et tout le tralala. Donc dans ce deuxième épisode, nous allons voir l'engraissement et le repiquage. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire voir ceci. Vous voyez cette parcelle qui est juste derrière moi-ci? Alors ceci, c'est rien d'autre que les ruines de la formation intégrale et 100% pratique que nous avons enregistrée sur la culture de la tomate. Formation qui est disponible en vidéo au prix de 25 000 francs sans accompagnement et 50 000 francs avec accompagnement sur un an. Donc pour tous ceux qui seront intéressés par cette formation-là sur la culture de la tomate, ils pourront en bénéficier en nous contactant au numéro qui s'affiche juste là. Sans plus tarder, on va passer donc à ce qui nous amène ici. Alors, premièrement, lorsque vous allez arranger votre terrain, comme je vous ai expliqué la dernière fois, l'opération de préparation du sol, c'est une opération qui se fait dès la mise sur pied de la pépinière. Ok? C'est pas lorsque votre pépinière aura déjà 3 semaines que vous allez venir commencer à vous embrouiller pour arranger le terrain. Non. Déjà que les légumes se repiquent après 25 jours. Ok? Donc, lorsque vous mettez votre pépinière en place, vous avez 25 jours pour commencer à repiquer. Passé ce délai, vos légumes vont devenir... Je vais dire quoi? Bref, vos légumes vont prendre des proportions qui ne sont plus adéquates dans le GMO. Ok? Donc, le repiquage commence dès le 25e jour. Et si à 25 jours, vous vous rendez compte que vos légumes sont encore trop petits, ça voudrait simplement dire que tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, dans la vidéo sur la mise sur pied d'une pépinière, vous n'avez pas respecté. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Mais si vous respectez tout ce qui a été dit dans la vidéo sur la mise sur pied, n'est-ce pas, d'une pépinière, à 25 jours, vos pieds de légumes seront déjà répiquables. Donc, lorsque vous avez à préparer votre terrain, ok, par exemple, vous mettez votre pépinière une semaine après, votre terrain est après, vous ne mettez pas directement l'engrais. L'engrais se met la veille du répiquage ou alors le jour même du répiquage, ok. Parce que si vous êtes par exemple à saison pluvieuse, vous finissez de préparer le terrain comme cela et vous mettez directement l'engrais. Or, vos légumes, vous allez les répiquer par exemple 2 semaines après. Si vous êtes en saison pluvieuse, ce qui va se passer, c'est que les pluies vont lessiver une bonne partie de cet engrais que vous allez mettre là, sans que les plantes n'aient eu à en bénéficier. Ça ne va pas tout lessiver, mais ça va lessiver une bonne partie. Et ce sont des pertes, n'est-ce pas, qu'il faut éviter. Donc, pour ce faire, c'est pourquoi on met dans l'engrais la veille ou alors le jour même du repiquage. Et pour les légumes ici, je recommande, n'est-ce pas, l'usage du 20-10-10. Dans les épisodes... prochain, je vous expliquerai pourquoi. Parce que la plupart des gens sont toujours là du genre, non, les légumes, c'est mieux l'urée et tout ça. Et je vous ai dit dans l'introduction de cette télé-réalité que toutes les informations que je vais vous donner ici n'ont pas été prises dans un livre ou alors, je ne sais pas trop où, sur Internet, non. Ce sont des données qui découlent, n'est-ce pas, d'expériences, de plusieurs expériences. Ok, donc, lorsque je vous dis d'utiliser le 20-10-10, ne dites pas que non, l'urée est mieux. Et dans les épisodes précédents, on pourra en parler. Donc, je vais détacher mon sac de 20-10-10. Bien, une fois que notre sac d'engrais a été détaché, nous allons mesurer ici, là, n'est-ce pas, 1,5 kg d'engrais. Donc là, je vais tarer ma balance. Voilà. Et là, c'est la mesurette. En général, un gobelet comme ça, là, plein d'engrais, n'est-ce pas? C'est 1 kg. Donc, nous allons revérifier cela, si ça marche. Vous voyez? Là, on est à 1,85 kg. Vous voyez que c'est sensiblement ça. Donc, un gobelet rase comme ça, c'est environ 1 kg. Alors, une fois que j'ai mes 1 kg d'engrais, je vais les épandre, n'est-ce pas, sur mon bion. J'ai dit 1,5 kg par bion. Donc là, je vais d'abord épandre, c'est 1 kg. Avant de mesurer maintenant, demi kilo pour compléter. Ok? Donc là, je fais comme ça sur mon bion, j'épandre. Ainsi. Voilà, j'épandre mon engrais ainsi. Bien, voilà, notre engrais a bien été épandu. Vous pouvez observer tous ces petits points blanchâtres, n'est-ce pas, c'est l'engrais qui a été épandu sur nos différents bions. Ok? Alors, une fois qu'on a épandu l'engrais comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite?
Par la suite, maintenant, on va malaxer cet engrais-là légèrement, n'est-ce pas? On ne va plus faire comme on faisait avec les fientes, mais cette fois-ci, on va le faire vraiment de façon très légère, très superficielle, OK? Pour faire pénétrer cet engrais-là dans le sol. OK, vous voyez? Donc, à l'aide de ma daba, mais cette fois-ci-là, vous voyez que je ne malaxe pas, non. Je fais juste un petit mouvement pour que l'engrais pénètre dans le sol, OK? Voilà. On va faire comme ça. Et là, cette opération permet même encore de casser les mottes, n'est-ce pas? Les mottes de terre qui sont là et qui vont rendre pénible le repiquage. Voilà. Je fais comme ça. Et puis l'engrais pénètre aisément dans le sol. Voilà. On fait comme ça. Et l'autre engrais pénètre, n'est-ce pas, se mélange avec la terre. Maintenant, observez la différence. Vous voyez la différence? Vous voyez l'endroit qui a été malaxé, l'endroit qui n'a pas été malaxé et l'endroit qui a été malaxé. Regardez. Vous voyez qu'ici, on le voit. C'est à peine si on observe encore quelques grains d'engrais en haut. Vous voyez? Et pourtant, ici, là, les grains d'engrais sont visibles au-dessus. Donc, vous voyez, c'est à ça que sert cette opération pour faire, n'est-ce pas, pour enfouir ces graines-là dans le sol. Alors là, l'enfouissement de notre engrais est donc terminé. Et vous voyez que notre bion c'est encore un peu éparpillé, OK? Donc, on va encore un peu le ramener comme ça en raclant la terre qui est venue dans les bords et en la ramenant au-dessus du bion ainsi. OK? Donc, on va faire ça. Et une fois qu'on aura bien retracé notre bion, on va le reniveler à nouveau à l'aide de notre râteau. Très bien, voilà donc nos bions qui sont totalement prêts, n'est-ce pas, prêts à accueillir nos jeunes plantules de légumes. J'avais le gobelet alcalin. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal de foie, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai les diabètes. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc, vraiment, merci.